bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur American Truck Simulator. Et je pense que quand on aura fini d'ailleurs cette série en fait sur la découverte de l'Arizona, je pense que jusqu'à qu'il n'y a pas de temps, tant qu'il n'y aura pas de nouveau, je ne jouerai plus au jeu en fait. Parce que le jeu en fait, je l'ai déjà bien jaugé moi. J'ai déjà pas mal joué. Je crois que je dois être aux alentours de 100 heures de jeu, un truc comme ça. Bah peut-être plus, à peu près. Entre 50 et 100 heures de jeu. Donc on va essayer de voir s'il n'y a pas une remorque assez intéressante. Non, moi je... ouais, on va prendre la longue plutôt. Ça par contre, c'est plutôt sympa qu'on puisse choisir les... Je pense qu'ils ont fait ça surtout pour les... Comment dire? Quand on met des skins dessus, ça peut être plus intéressant. Je pense. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça comme ça. Comme ça, au moins, il n'y a plus de bugs de skin. Tu peux mettre celui que tu veux. Et c'est plutôt intéressant. Et ça, ça fait pas très longtemps qu'ils l'ont mis. Vite avant que je me gourre. Tournons. Donc tac, on met un petit T. On remet la première. On va remettre la septième en fait. Parce que moi je démarre en septième. Donc j'ai un camion avec la patate nécessaire pour démarrer en septième. Hein. Donc tac tac, hop, allez c'est parti. Franchement le jeu est super fluide, c'est au top. Donc qu'est-ce qu'on a là? C'est 6. De la farine. Donc excusez-moi, j'étais en train de chercher le bouton pour pouvoir mettre le... d'un changer le GPS. Hop, donc on est reparti. Farine, on est reparti. Je suis reparti parce que vous, je vous publierai pas la vidéo en même temps, donc une grande chance que vous ne sachiez pas que je viens de... Ben, vous ne sachiez pas, entre parenthèses, que ça fait que 3... Ben, 10 minutes parce que j'ai fait une petite pause, que j'ai fait la vidéo d'avant. C'est en gros, là, je suis en train de tourner toutes mes vidéos en avance, en quelque sorte. Et après, je les publie comme je peux. On va tourner à gauche, on va s'arrêter là. Tac. Donc voilà, après c'est vrai qu'il y a pas mal par contre de jeux qui vont arriver. Bon, en fait non. Il n'y a pas de jeux qui vont arriver. Ouais. Donc j'espère quand même que ce jeu vous plaît. Ce... comment ça s'appelle? Oh, j'ai calé. Ce American Truck. Moi, perso, je le trouve, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, abandonné à son triste sort. En gros, l'abandon le plus total. Mais après c'est que mon choix, c'est que moi qui pense ça. Vous n'êtes pas obligé de penser comme moi, perso vous pouvez dire quand même que c'est le meilleur jeu du monde si ça vous tente. Si voilà, si pour vous c'est ce que vous pensez, vous pouvez penser ça, hein, ça me dérange pas du tout. C'est juste ce que moi je pense. Hein. Je vous dis complètement, vous pouvez penser que ce jeu c'est l'une des 7 merveilles du monde. Bien la 8e merveille du monde, je vous dirais pas non. Et je vous dis que je suis pas d'accord avec vous. C'est tout. Donc voilà. Je vais pas dire oui, je vais pas dire non, je vais pas dire... Voilà.
Chacun pense comme il veut, ça m'est complètement égal. Voilà. Donc, personnellement, c'est ma pensée. Je pense que ce jeu est vide, en fait, depuis son arrivée sur le marché du jeu vidéo. En gros, il n'y a pas eu de mise à jour flagrante, ni de quoi que ce soit d'autre comme ça. Donc, voilà. Donc là, on a... on part pour où, déjà? Hop, on part pour... Kayenta. Ça se dit peut-être pas comme ça, mais je sais pas comment ça se dit si ça se dit pas comme ça. Hop, donc on est parti. C'est vrai que je commence à plutôt bien maîtriser les plateaux, on va dire. Ouais, sinon voilà. J'espère aussi que vous aimez bien les vidéos que je fais sur My Summer Car. Parce que franchement, même pour ça, je me donne à fond aussi. Je l'ai pu... En gros, je les tourne en même temps que à peu près que celle sur American Truck. Donc voilà. Là, on va à Kayenta, donc au nord de l'Arizona, pour pouvoir livrer la cargaison. Merde, bon, tant pis pour lui. C'est pris de plein phare dans la gueule. Donc on passe aussi à Holzbrook. Ou à Holbrook. Ah, on va se prendre encore un mur invisible. Faisons attention. Ah non, on s'est pris la voiture. Bon, ok. Ok, ok. Enlever les pleins phares, on est en ville. Donc on doit traverser Holzbrook pour arriver à Kayenta. Que pas de problème d'ailleurs. Pourquoi je me prendrais ma petite boisson? Tranquille. Donc une petite Monster au calme. Ah, ça fait du bien. J'aime ce bruit. On est à 56 litres au 100. Waouh. Donc là, en gros, on va juste traverser la ville et après, je pense qu'on va encore avoir... 150 km d'autoroute, je dis n'importe quoi. 150, 200, 250. Allez, sur l'autoroute. Merde, c'est burne. Ou sur je sais pas trop quoi. Mais je pense que ça doit être une autoroute. Hop. Donc
Donc je sais pas si vous entendez les bruits de mon volant. En fait, normalement vous devriez pas trop entendre. Là on a le droit jusqu'à 121 km/h. Déjà avant que je les atteigne, il va falloir que... Ah si, quand même, 112, hein. Ça reste correct, hein. Là, je les mange, hein, les kilomètres, là. Et je suis juste en 17e. What? Donc on va aller par ici. On va sortir de l'autoroute. Je sais que c'est peut-être pas top de repartir en 14e. Mais bon, moi je suis pas chauffeur routier à la base. Donc déjà je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Bon là c'est vrai que c'est un petit peu long au final. Pour vous je pense, parce que c'est vrai que je parle pas beaucoup là. Parce que pour vous dire quand même, j'ai dû enregistrer 10-15 vidéos entre My Summer Car, American Truck et Zidou. Donc je pense que... Bah quoi que... Non, My Summer Car, oui. Donc je pense que ouais, en gros j'ai une fatigue qui s'installe là depuis un jour ou deux. Donc c'est vrai que là je suis pas, peut-être pas aussi bien concentré que d'habitude. Mais vraiment là j'essaye de faire quand même une vidéo assez potable. Non, ça devrait plutôt bien se terminer au final. Bon là je sais que je prends toute la route, mais c'est pas très grave. Le principal c'est d'arriver à livrer le colis. La cargaison,
sans accro. Donc pour l'instant on n'a pas d'accro, donc normalement ça doit aller bien. Donc tac, on reprend un peu de vitesse. On est presque à 57 litres au 100 quand même. Ça fait beaucoup je trouve. Donc en gros je pourrais arriver là-bas et remettre de l'essence si j'ai pas de station sur la route. Oh putain mais ça roule pas assez vite. Là elle est pas du bon côté la station, donc je vais pas aller là-bas. Il doit certainement y en avoir une un peu plus loin. Donc voilà. Allez, on repasse sur du 121, idiot. Non, tant pis, il veut pas. Il veut pas. La limitation de vitesse ne veut pas repasser à 121 km/h. Donc j'espère que cette vidéo vous plaît. Que voilà, je sais pas quoi vous dire plus moi. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui ne va pas en commentaire, même si je pense que quand je lirai vos commentaires, j'aurai certainement fini toute la série. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Tout ce que j'espère, c'est quand même que vous avez passé une bonne année 2016. Oh non. 88, mais c'est la mort là. Donc là, on repart sur du 105 km/h. Let's go. Et ouais, comme dans la vraie vie, je pense hein, qu'aux États-Unis c'est comme ça. En gros, quand on tombe en face d'un gars, faut enlever ses pleins phares et mettre ses feux de croisement. Ouais, mettre. Donc, techniquement, ils sont déjà là. Si t'as les pleins phares, c'est que t'as les feux de croisement. Mais je sais pas, après peut-être qu'aux États-Unis c'est différent, j'en sais rien. Lloyd Ride Blues quoi. Ouais c'est un peu chelou. Donc là on a fait un coup double en fait dans cette vidéo. On a visité deux villes en même temps. Là, pour l'instant on en a visité qu'une seule. Mais la deuxième devrait pas tarder à arriver.
Ah ouais, en fait, c'est encore du 82. Oh. Ah ouais, là, la ville est séparée en deux. 72, mais faut arrêter de vous foutre de ma gueule quand même. Merde. Putain, fallait qu'il y ait des flics juste ici. Merci, bande d'enfoiros. Je crois que c'est rouge, alors je peux pas passer. Donc comment faut mettre ton truc? On tente. Allez, chaud. On est déjà à 21 minutes. Je pense que c'est l'une des plus longues que j'aurais faites. FedEx, hop. Tac, hop, on est reparti. Yep. Allez hop, on est arrivé, tranquille, allez bri. Non, je déconne. Bah, c'était pas vraiment très très facile non plus. Donc excellent, paf paf. Oh, on a pas eu de dégâts. Pas mal, pas mal. Donc 11 000 d'argent. Avec 440 XP, dont j'en ai un peu en à foutre, autant l'un d'autre au final. C'est vraiment de visiter la ville. Bon, de nuit, c'est pas évident. Donc, les amis, on va s'arrêter là. Et moi, je vais vous dire à la prochaine dans une nouvelle vidéo. D'ailleurs, au final, j'ai toujours pas les aptitudes. Parce que je sais pas pourquoi. J'ai toujours pas... Ok. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai pas les aptitudes, mais bon, c'est pas grave. Donc, combien j'ai d'heures de jeu en temps réel? 5 heures. Donc voilà, pour vous dire, ça fait quand même un petit moment.
Donc j'ai pas beaucoup en fait avec celle-là au final. Donc voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine. C'était MM Simulator. Je vous dis ciao ciao. Overrated. If I could just see it all, just like a fly on the wall, would I be?